Et yo, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de colis mystère que j'ai reçu il y a à peu près une semaine, que je n'ai pas vraiment ouvert. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. J'ai vite fait ouvert les trucs pour vite voir ce qu'il y a dedans, j'ai fait « Ah, ok, on va voir ce qu'il y a dedans, on va découvrir la suite. » Et donc ce petit colis mystère, eh bien, enfin petit. Pas vraiment petit. Donc voilà, c'est le fameux colis mystère. Déjà, on remercie énormément la personne qui me l'a envoyé. Donc je l'ai déjà remercié, elle va se reconnaître. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et j'ai hâte de voir ce que ça donne. On le tire jusqu'ici. Putain, mais le chien met du bordel de partout, c'est terrible. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Pousse-toi, Milo, s'il te plaît. Donc on va ouvrir ça, qu'est-ce qu'on a? Ta-ta-ta-ta. Mon dieu! Merci à toi qui m'a envoyé. Pousse-toi, Milo. Aïe! Ça suffit. Donc voilà. Putain, mais c'est génialissime. Voilà, donc figurine de Vegeta scellée. Putain, mais elle est magnifique. Et écrit bien sûr en japonais, hein, la totalité. Voilà, donc je suis très contente. La personne qui m'a envoyé ce colis m'a dit, bah, j'ai des choses de Dragon Ball à t'envoyer qui sont dans mon grenier depuis des années. Elles prennent la poussière, elles diront mieux chez toi. Eh bien, je te remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attention. Oh là là! Ah, alors, j'ai énormément, visiblement, de posters, voilà. Il y a beaucoup de posters de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Je pense qu'il y a plus de Dragon Ball Z que de Dragon Ball. Ouais, non, c'est dans le poster, c'est les deux, voilà. Donc c'est plutôt cool. On va tapisser la maison, hein, parce qu'il n'y a pas déjà assez de décoration dans la maison. J'ai pas encore fait l'étage, il n'y a pas encore assez de déco en haut. Enfin, il n'y en a pas du tout, mais du coup, je vais en profiter. Je vais très clairement en profiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, génial! Attendez. Alors déjà, voilà, là vous avez un truc Pokémon, mais derrière, c'est un truc Golden Sun. Hein, voilà. Donc je vais pas tout déplier. Arrête Milo, t'es chiant! Plusieurs choses de DBZ. On a d'autres. Bon, après, bien sûr, on a d'autres styles. On a du Yu-Gi-Oh! Aussi. Je vais pas tous les déplier, hein, mais je vais juste vite fait vous montrer. On a du Yu-Gi-Oh! Et pour finir, le dernier, nous sommes sur. Attention! Putain, Milo, il a son bout d'os terrible, quoi. Sur du Final Fantasy. Donc voilà, nous sommes sur du Final Fantasy, je vais vite fait vous montrer, je le déplie pas en entier. Donc voilà, en gros on a beaucoup de posters. Donc la figurine de Vegeta. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un poster, mais putain, mais la qualité des posters en plus elle est épaisse, enfin c'est épais et tout, enfin, c'est vraiment pas mal. Hop, je ne le déplie pas non plus. Qu'on a d'autre? Alors, attendez, hop, nous avons ceci. Voilà. Donc, c'est plutôt excellent. Oh, mais ça, c'est encore sous blister et tout, genre. 39. C'est 39 yens ou 480 yens? Je sais pas. Hein, voilà. Nous avons Frieza. Hop là, en petite figurine. Donc, où vous avez ceci. Et il me semble qu'on a la totalité, hein, des figurines. Voilà, exactement. Il y en a une que j'avais enlevée pour vous montrer. Bon, j'ai pas mis le socle. Voilà, il y en a une que je voulais vous montrer, donc j'ai pas mis le socle pour le moment. Voilà, hein, comme vous voyez, donc elles sont petites, elles sont très très cool. Donc ça, si vous avez Freezer, bon, parfait. On a Freezer. Hop là. Sous cette forme-ci, donc première forme. Hop, je mets ça sur le côté. Ah, encore Freezer, première forme. Et pour finir, nous avons celle-ci. Voilà. Donc je suis plutôt plutôt ravie, hein. Voilà. Ah, on a d'autres choses dans le colis. On me dit dans l'oreillette qu'il y a autre chose dans ce colis. Alors Milo, tu te décales, hein. Il y a d'autres choses. Mais elle est magnifique. Donc une boîte qui est lourde, hein. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Donc une boîte très très lourde. Voilà. Je suis
Yes, we could use... What? Ah. Ceci. Petit carnet magnifique de Dragon Ball. Et où, je suppose... Oh, mais c'est magnifique. Voilà. Donc celui-là, bien sûr, ne m'en veux pas. À toi qui m'as envoyé ce colis, je n'écrirai pas dedans. Parce que ceci est un objet de qualité que je ne peux pas abîmer. C'est impossible. Et il y a un sticker aussi de dessus, de coller. C'est... Je peux pas. Non, voilà, c'est... Voilà. On a d'autres. Attends, Milo. Les OST de The Legend of Zelda de Twilight Princess. Donc voilà, hein, c'est les sons qu'il y a tout simplement à l'intérieur. Les sons du jeu, des OST, si je peux appeler ça des OST, oui, je pense. Nous avons ceci. Voilà. Alors Milo qui me fait beaucoup de... Qui sent de partout, là, c'est, il est fatigant. Voilà, donc c'est pareil. Nous avons, voilà, de Ocarina of Time. Le petit, voilà, The Legend, donc les sons encore, hein, donc, comme vous voyez, c'est écrit ici. Sous CD, il s'installe comme ce genre au calme. Nous avons une carte, donc je vais pas, il y a un petit code, donc je ne vais pas la montrer. Je vais pas montrer le petit code. Une carte Final Fantasy. Hop. Alors là, je crois, alors il me semble que c'est l'édition collector de Gollum. Enfin, je crois qu'il y avait une sorte d'édition collector Gollum. Donc, je vais juste ouvrir par curiosité. Ah, certificat d'authenticité Smeagol. Donc, créé spécialement pour Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Donc, le coffret DVD collector. Donc, oui, voilà, je n'ai pas dit de bêtises. Sculpté par Jamie. Une sculpture ? Une sculpture quelque part dans ce gros colis ? Donc, voilà. Où nous avons... Alors attendez, je vais essayer de ne pas abîmer. Donc là, vous avez le CD sur Gollum. Et... Oh, shit. Donc vous avez un petit bouquin où derrière, il y a ceci. Et en fait, voilà. Génial. La création de Gollum. Alors... je suis sur le cul parce que c'est juste génial. Voilà, et j'ai le certificat d'authenticité. Hop. Et bien je vais regarder ça avec beaucoup d'amour. Alors je pense que ceci, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas une boule de cristal, hein. Voilà, ce n'est pas une boule de cristal. Est-ce que ça s'ouvre? Je vais casser quelque chose. Attends, mais ça s'ouvre. Pas. Si, il y a un truc dedans. Il y a un Pims dedans. Putain. J'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Je demanderai à Sakor. Vous ne saurez pas quel Pims il y a à l'intérieur. Mais non. En plus, c'est un truc Dragon Ball. J'ai vu une image. Ça ne divise pas. Ok, on le fera plus tard. Et on a des DVD. Alors on a le film inédit de Pokémon, donc Maître des Mirages, très bien. Et on a, c'est un anime ça, la box 1 et 2 de Final Fantasy 2.U. Voilà, ça ne me dit rien du tout, mais je serais curieuse de voir ce que ça va donner. Je suis très curieuse. Alors Milo, arrête de lécher n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est quoi cette éducation que je t'ai donnée? Tain, et en plus, hein, on reconnaît la saga que beaucoup de gens ont préféré, la saga Cell, avec bien sûr Gohan et le Kamehameha avec Sangoku et tout ça. On a d'autres. Waouh! Il y a encore un colis dans le colis. Oh! Alors, nous avons ceci. Hop, je vais vite fait, voilà, je vais rester ça comme ça, je fais comme ça, youtubeuse beauté. Beauté. Nous avons, là, celui-ci. Nous avons Goku, voilà, nous avons cette figurine-ci. Nous avons encore un boubou, enfin un bout.
je n'avais plus de batterie. Du coup, j'ai dû charger le téléphone et reprendre juste après. Donc, je vous ai montré les petites figurines qu'il y avait dans ce colis. Mais il y a autre chose. Alors, tu te pousses, Milo. Parce que sinon, ça va... Yeah. Wow. Ah bah, ben, c'est donc... C'est la sculpture de Gollum. De Smeagol. Voilà. Putain, mais what? Mec, tu t'es donné plutôt beaucoup de mal. Donc voilà, c'est... Voilà. Voilà, c'est la figurine, c'est la sculpture plutôt, de Smeagol. Donc, des deux tours. Super bien fait. Super bien fait. Je suis sur le cul, hein, voilà. Je suis clairement sur le cul. C'est un putain d'unboxing, hein, on va dire ça comme ça. Eh bien, je te remercie à toi qui m'as envoyé ce colis. Et j'en suis plus que ravie, plus que contente. C'est plutôt génialissime. Les figurines sont magnifiques. Et voilà. Oui, aussi, il y avait dans le truc, il y avait de la bouffe pour sa corps. Genre, je crois que c'était... Il y avait du pâté ou des trucs comme ça, un peu, genre... dans ce genre-là. Arrête, Milo, c'est du papier bulle, c'est pas pour toi. Des trucs comme ça. Et je suis sur le cul. Je te remercie. Du coup, je vous fais des bisous. On se retrouvera, puisque là, j'ai plus beaucoup de batterie. Ah, allez, je vous fais des bisous. Moi, je pars en vacances. À partir de demain dans le sud, donc il y aura des vlogs et tout ça, mais que dans qui parleront du sud et tout ça, de mes vacances. Je vous fais des bisous, je vous fais plein de bisous, passez de très bonnes fêtes, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, parce que hier j'en ai pas mis une, arrête, il pousse avec son nez, hier j'en ai pas mis une, je suis désolée. Je vous fais des bisous, bye. Oh. Mais, c'est quoi cette histoire? Arrête!